Vous dormez mal, vous vous réveillez plusieurs fois durant la nuit et vous avez de la peine à vous rendormir. Vous vous sentez fatigué au réveil et même parfois vous n'arrivez carrément pas à trouver le sommeil lorsque vous allez vous coucher. Et tout ça malgré la fatigue accumulée durant la journée. Tous ces symptômes se regroupent sous une seule et même appellation, les troubles du sommeil. Aujourd'hui, nous allons voir quoi, comment et quand manger pour réussir à retrouver un sommeil apaisé. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Un abonné m'a demandé de parler de l'insomnie. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis un certain temps, j'aime beaucoup lorsque vous me challengez avec des thèmes qui vous intéressent. Alors n'hésitez pas à me proposer un thème de vidéo et si je ne l'ai pas encore abordé sur ma chaîne ou si je vois que c'est une demande récurrente de la part de plusieurs personnes que je reçois régulièrement, je me ferai un plaisir de traiter le sujet. Il faut bien évidemment que ça soit en lien avec ma chaîne qui parle de santé via l'alimentation végétalienne, on est d'accord. Donc le thème d'aujourd'hui sera l'insomnie et plus largement ce qu'on appelle les troubles du sommeil. Ou encore, comment l'alimentation peut vous aider à mieux dormir et à éviter ce genre de troubles. Parce qu'il y a des alimentations qui vont favoriser le sommeil, et même au-delà de ça, ce qu'on appelle le sommeil réparateur, et d'autres alimentations qui au contraire vont péjorer votre sommeil. L'insomnie est un manque ou une mauvaise qualité de sommeil qui retentit lendemain sur les activités physiques, psychiques et sociales de la journée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous parler un tout petit peu des mécanismes du sommeil parce que vous savez que j'aime bien que vous compreniez de quoi on parle et pas seulement vous balancer des infos comme ça. Déjà, il faut savoir que lorsque nous dormons, notre corps et notre esprit sont loin d'être au repos. C'est normal vu que nos processus vitaux ne s'arrêtent jamais, sinon nous ne survivrions pas à la nuit, hein. On dit qu'une personne a besoin en moyenne de 7 à 8 heures de sommeil par nuit, mais finalement ça ne veut pas dire que certains n'auront pas besoin de plus ou ne se contenteront pas de moins. Mais dormir, ça reste un processus vital pour notre organisme, bien qu'on ne puisse pas mourir de manque de sommeil à proprement parler. Par contre, accumuler des dettes de sommeil, à la longue, ça va engendrer des problèmes physiologiques qui pourraient bien conduire à un décès prématuré. Donc, on peut mourir indirectement, si on veut, de manque de sommeil. Parce que durant notre sommeil, les cellules immunitaires sont en pleine action, notre cerveau se nettoie et il fait des liens. Et donc, il nous aide au niveau de notre mémoire, etc., etc. Bref, c'est pas pour rien que nous dormons. Alors, comment fonctionne le sommeil? En fait, dès qu'il fait noir à l'extérieur, l'épiphyse, qui est une petite glande dans notre cerveau, pour être précise, c'est une glande endocrine de l'épithalamus, et bien cette épiphyse va sécréter de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, si on veut vraiment vulgariser au maximum. Et donc, notre organisme va progressivement se mettre en veille. Vous allez bâiller, avoir les paupières lourdes, et vous ressentirez le besoin d'aller vous coucher. En d'autres mots, elle va faciliter l'endormissement. C'est un petit peu le même processus lorsque les personnes qui ont des difficultés à trouver le sommeil vont prendre des médicaments qui sont des hypnotiques qu'on appelle communément somnifères. Ce sont des molécules à plus ou moins courte durée d'action et qui ont pour principal effet d'induire le sommeil comme le ferait la mélatonine. Alors, pourquoi a-t-on des insomnies? Il y a plusieurs causes, hein, évidemment. Ça peut être des carences, comme la carence en vitamine D, qui joue un rôle important dans la régulation du sommeil. Le stress peut péjorer le sommeil, hein, mais aussi l'anxiété, la dépression. Bon. La vitamine D, vous pouvez la prendre sous forme de complément alimentaire, mais le stress, l'anxiété, la dépression, c'est un petit peu plus compliqué à gérer, hein, on est d'accord. Mais il y a un autre mécanisme, un autre outil qu'on peut utiliser pour lutter contre les troubles du sommeil, et qui est beaucoup moins connu, ou en tout cas beaucoup moins utilisé par les personnes qui souffrent de ces troubles, c'est l'alimentation. Alors, nous allons voir quoi, quand et comment manger pour favoriser le sommeil,
et la bonne récupération, de manière générale. Vous avez certainement déjà entendu dire qu'il faut manger léger le soir. Mais on ne comprend pas bien ce qu'on entend par léger. Est-ce que c'est peu en quantité? Est-ce que c'est des aliments faciles à digérer? Bref, on ne sait pas trop. Alors on se dit, bon, allez, une petite soupe ou une petite salade et au lit. Grosse erreur. Le cerveau est très actif durant la nuit, par exemple durant le sommeil paradoxal, et il aura donc besoin d'énergie. Si vous ne lui donnez pas assez de carburant, votre cerveau et votre organisme vont vous réveiller pour que vous alliez manger. Une alimentation hypocalorique, donc un régime comme on l'entend la plupart du temps, ou encore une restriction alimentaire, ça va entraîner une modification du cycle veille-sommeil. Chez l'animal comme chez l'homme, c'est pareil, la privation de nourriture fragmente le sommeil et réduit la durée du sommeil lent et profond. À savoir que ce sommeil, c'est le plus récupérateur. Pour éviter de solliciter inutilement son cerveau avec des fringales nocturnes, il est préférable de consommer des féculents le soir, comme du riz, des pâtes, de la semoule, du pain, des pommes de terre. C'est égal. Les glucides sont le carburant préféré de notre cerveau. Mais pas seulement, parce que manger des glucides le soir permet également de faciliter la production de sérotonine, qui est indispensable à la sécrétion de mélatonine, la fameuse hormone du sommeil dont je vous parlais juste avant. Mais manger des glucides ne suffit pas pour produire de la mélatonine. Il nous faut aussi ingérer du tryptophane, un acide aminé essentiel qui lui aussi va permettre de fabriquer de la sérotonine. Et comme d'habitude, il vaut toujours mieux privilégier des acides aminés contenus dans des protéines d'origine végétale qui seront plus faciles à digérer que celles d'origine animale. Parce que le problème, c'est que la digestion des produits animaux est très compliquée pour notre organisme et elle va faire augmenter la température corporelle, ce qui va nous empêcher de nous endormir rapidement. Parce qu'en réalité, le soir, notre température corporelle va naturellement baisser pour que nous puissions aller nous coucher et après, tôt le matin, elle augmente pour nous préparer au réveil. Pour votre info, les sources végétales de tryptophane sont les bananes, les légumineuses, le quinoa, le soja, les céréales, comme l'avoine, il y a le maïs, le seigle ou encore le riz. Attention par contre au chocolat, qui est souvent cité comme source de tryptophane végétale. Il en contient certes, mais il contient aussi de la caféine, qui aura l'effet inverse, qui va vous maintenir réveillé. Si les glucides favorisent l'endormissement, au contraire, les graisses, le gras va altérer votre sommeil, parce qu'un régime trop gras modifie la sensibilité de l'organisme à une hormone, l'orexine, qu'on appelle aussi hypocrétine. Elle va stimuler l'éveil et participe à l'envie de manger. En journée, une consommation trop importante d'aliments gras favorise la somnolence et le soir, les aliments gras, qui sont difficiles à digérer, entraînent une fragmentation du sommeil. On rencontre souvent ce problème chez les pratiquants du régime cétogène. Avec le cétogène, il y a aussi le fait que les niveaux de glucose chutent et que votre cerveau manque de carburant. Alors après, évidemment, les pratiquants de ce régime vous diront que c'est normal au début et qu'après quelques temps, le corps il va s'adapter. Après quelques semaines, le corps va s'adapter et vu qu'on l'a privé de sa source préférée d'énergie, les glucides, il est forcé de passer en cétose et d'utiliser son carburant de secours, celui qui est normalement prévu et stocké pour des cas de famine, j'ai nommé le gras. Notre corps a une grande capacité d'adaptation dans le but de survivre, mais ça veut tout de même dire que naturellement, notre corps n'est pas fait pour se retrouver en cétose. Hormis le fait que la cétose produit des déchets pas très bons pour notre organisme, en cétogène, les gens perdent énormément d'électrolytes. Ce qui implique qu'ils doivent se supplémenter en sel pour le sodium et en potassium et magnésium. C'est d'ailleurs ce qui est conseillé la plupart du temps lorsqu'on commence ce régime. Et aussi pour parvenir à éliminer, aller à la selle. Parce que le régime cétogène constipe énormément. Or, le magnésium est un laxatif. C'est évidemment un problème qu'on ne rencontre pas en étant végétalien, vu qu'on mange énormément de végétaux riches en fibres et en magnésium naturel, aussi en eau, hein. Pas besoin de toutes ces supplémentations en étant végétalien. Et évidemment, je ne peux que vous mettre en garde contre une consommation trop importante de sel, dont nous connaissons
aujourd'hui les conséquences sur le système cardiovasculaire et qui augmente aussi le risque de cancer gastrique, d'ostéoporose et de maladies rénales. Et donc, pour en revenir à nos moutons, un régime riche en gras et pauvre en glucides, comme le régime cétogène, favorise les troubles du sommeil. Car si les pratiquants ne mangent pas beaucoup de sel et donc de sodium, il y aura libération de noradrénaline, une hormone stimulante qui peut vous empêcher de dormir la nuit. Et en plus, le manque de potassium est associé à des somnolences durant la journée. Aucun souci évidemment si vous êtes végétalien HCLF qui plus est et que vous mangez des végétaux qui sont tous plus ou moins riches en potassium comme par exemple les bananes. Et afin de pallier à tous ces problèmes, les cétogènes se complémentent en magnésium qui traite également les insomnies. Et en plus de tout ça, il a été également prouvé que le régime cétogène réduit le sommeil paradoxal qui est la phase de sommeil la plus connue pour le rêve et la consolidation de la mémoire. Je dis ça, je dis rien. Donc une alimentation grasse empêche de dormir, la viande rouge, la crème fraîche, le beurre, le saucisson, etc. Toute cette graisse demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps à notre organisme pour être digérée. Ils vont perturber non seulement l'endormissement, mais ils vont provoquer des suées nocturnes et rendre le sommeil agité. En plus, comme je vous le disais, un régime trop gras va modifier la sensibilité de l'organisme à l'orexine qui va stimuler l'éveil et participer à l'envie de manger. Au contraire, les glucides complexes et les produits sucrés de manière générale vont eux favoriser la production de sérotonine, le précurseur de la mélatonine qui facilite l'endormissement. Donc, le soir, il s'agit d'éviter les viandes rouges qui sont stimulantes, les aliments trop gras, difficiles à digérer et qui entraînent une fragmentation du sommeil. On va plutôt privilégier les légumes, les glucides complexes comme les féculents et les légumineuses. Et de manière générale, une alimentation végétalienne pauvre en matières grasses sera la meilleure façon de soutenir le sommeil et la récupération. Via Felicia à tous !